Hello, good morning. Hello, hello, good morning, everyone. Hello, 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 hello. Oh, my voice is sore today. I'm sorry. Good morning, everyone. How are you? Good morning. Hello, quatrième. Quatrième deux, quatrième cinq, quatrième sept. Good morning. Hello, hello, hello. Am I the only one today? No, I'm not. Oh, hello. Good morning, Matteo. Good morning, Magali. Hello, hello. Good morning. How are you? Good morning, Oriana. How are you today? How are you, Matteo, Magali, and Oriana? How are you today? Hello, Maxence. I'm fine. Thank you very much. I'm doing good. I'm doing good. I have a bit of a sore throat, but I'm doing good. I'm doing good. Thank you. I'm fine. Thank you. Thank you. I'm fine. Thank you, Oriana. I'm fine. Thank you, Magali. Okay. So, are you ready for? Are you ready to start the lesson? Yes, just five of you? Oh, that's not a lot. Okay. Les plus fidèles au poste. Bravo, les enfants. Bravo, bravo. Parce que je sais que c'est pas évident de venir à 9h du matin. Surtout qu'à mon avis, comme tous les ados, vous devez vous coucher après vos séries que vous regardez. Donc, je suppose que vous devez être au lit vers minuit et demi, 1h du matin. Voilà. Mais c'est bien d'être debout pour un cours d'anglais, même avec la tête un peu dans le pâté, c'est bien, c'est le matin qu'on apprend le mieux, de toute façon. Ok, allez, alors déjà, je vous le dis à vous puisque vous êtes là, donc les heures du mardi ne vont plus exister parce que je retourne au collège les mardis et vendredis. Donc, ce qui fait que je vais décaler. Je décale mes heures du mardi au mercredi. Donc, vous aurez cours le mercredi et le jeudi, du coup. Alors, entre le mercredi et le jeudi, je vous donnerai juste à chaque fois qu'un tout petit exercice rapide. Vraiment pas grand-chose. Par contre, entre le jeudi et le mercredi d'après, ça vous fera une semaine. Là, ça sera un petit peu plus conséquent en devoir et en leçon. Good morning, Matteo. Voilà, donc je ne dis pas, je donnerai les horaires sur Pronote pour ne pas être embêté avec éventuellement si le casse-pied d'hier revenait. Si le casse-pied d'hier revient la semaine prochaine au bon horaire, ça veut dire que c'est forcément un de mes élèves. Voilà. Et j'espère que vous n'avez pas donné le lien de ma chaîne comme je vous l'avais marqué sur Pronote. Interdit. You are not allowed. Vous n'êtes pas autorisé. You are not allowed to give the link to my YouTube channel. Ok, allez, let's go, on y va. Donc on est bien d'accord, ça sera le mercredi et jeudi. Le jeudi, les horaires ne changent pas. Et le mercredi, je marquerai un mot global sur Pronote. Si vous savez qu'il y a des camarades à vous qui ne se branchent pas régulièrement sur Pronote, prévenez-les parce que ça. Voilà, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas réagi assez vite quand Madame Bussière a fait les plannings. Et donc, du coup, j'ai pas eu le cœur ni le courage de lui demander de refaire un truc spécial parce que c'était déjà très, très compliqué à faire son nouvel emploi du temps pour les élèves qui vont revenir au collège, les 6e et les 5e, la semaine prochaine. Ok, so you have to do this paper. You have to do this paper for today. Et je vous avais marqué no traduction, no translation from Google. Le mec, il peut rester sur ma chaîne pour savoir quand vous serez connecté. Alors, franchement, ça veut dire qu'il a que ça à faire dans sa vie et que c'est un pauvre type, quoi. Parce que
Alors, je ne déprécie pas mes cours. Hein. Moi, je fais mes cours, je suis contente, je les trouve très bien. Voilà. Mais voilà quoi. Non, ça ne peut pas être une fille. Alors, je suis désolée sur ce coup-là. Il peut y avoir des filles extrêmement agressives, je suis d'accord, des filles extrêmement vulgaires. Mais à ce point-là, ce n'est pas des expressions de vulgarité de filles. Bon, je ne pense pas, j'espère pas. Donc voilà. Donc après, voilà, Mathéo, bah écoute, enfin Mathéo, les deux, puisque il y a des deux Mathéo aujourd'hui, bah s'il a que ça à faire, ma foi, s'il n'a pas de vie, hein, tant pis. Ok. Donc, alors, ces 15 phrases, c'était pas de traducteur Google ou d'autres traducteurs, n'importe lequel, on s'en fiche. Alors, si un jour vous devez utiliser un traducteur, surtout pas Reverso. Voilà, et là, normalement, avec votre cahier, votre livre, plus ce qu'on raconte en classe, plus les exercices qu'on corrige et tout ça, vous deviez largement vous en sortir, ou tout au moins pour les trois quarts. Donc voilà, allez, hop, on commence. Et alors, la première, c'était « Où sont les cabines d'essayage ?» Oui, problème, c'est qu'on ne sait pas, Mathéo. Eh bien, voilà, on ne sait pas et voilà, on s'en fiche. Allez, let's go. Où sont les cabines d'essayage? Que m'avez-vous mis pour cette phrase? Allez, on y va. Que m'avez-vous mis pour cette phrase? Alors, where, good, donc where, quand même le basique, hein, les pronoms interrogatifs sur le lieu, where. Ensuite, cabine d'essayage sont au pluriel, donc il me faut un auxiliaire pluriel, l'auxiliaire être. Pourquoi être? Bah, parce qu'il est dans ma phrase de départ, donc ça colle bien. Donc, where are, et ensuite je veux les cabine d'essayage. Donc, il me faut un article. OK? Donc, et c'est, donc, where are the dressing rooms? Ce qui fait que, Mathéo de Poulain, il faut que tu marques au pluriel. Where are, tu me retires le this et tu me laisses la fin. Where are the dressing rooms? Magali, tu m'as oublié l'article. Where are the dressing rooms? Voilà, donc tu viens de le rajouter, c'est bien. Mathéo, c'est Lérian. Oh, bah, tu m'as mis beaucoup de mots. Il y a presque tous les mots, mais il faudrait bien les remettre dans l'ordre. C'est soit dressing rooms, soit fitting rooms, mais pas dressing fitting rooms. Oriana, il faut que tu me transformes l'article. Where are the dressing rooms? Et un, c'est un article qui va avec du singulier. D'accord? Et moi, je voulais les cabines d'essayage. On est bon? Allez, ça roule. Number two. Cette chemise rayée est trop large. Alors, il fallait retourner soit dans le livre, soit dans le cahier pour voir comment on disait rayée. Donc, je l'avais vu. En plus, j'en ai mis qu'un. Ah bah, tu vois. Donc, fais attention quand tu tapes. Après, j'ai appris hier. Vous voyez comme c'est bête, hein. Je pensais que vous étiez tous devant un ordi. Ben non, bêtement, je pensais que vous étiez devant un ordi et que vous pouviez taper. Maintenant, il y en a plein qui le font avec leur téléphone. Donc, c'est sûr, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit temps de décalage pour... voilà, enfin, quoi que vous êtes habitué avec vos petits doigts à taper, à vous envoyer des machins là. Bon, bref. Allez, donc cette chemise rayée est trop large. Alors, qui me propose quoi? Good morning, Jade. T'as vu Jade, alors hier j'ai vu ce que tu m'as envoyé et j'ai complètement zappé de le corriger. Je l'ai corrigé ce matin de bonne heure, donc je ne sais pas si tu as ouvert tes mails. Voilà. Alors cette chemise rayée est trop large, qu'est-ce que vous me dites donc? Alors donc Mathéo rayé, good, Mathéo de Poulain. Ok. Donc voilà. Okay. Qu'est-ce qui me... Alors, hop. Et l'autre Mathéo, ben voilà, c'est ça.
Alors, je vais être un petit peu facile. Facile, ça veut dire enquiquinante sur certains trucs. Cette chemise rayée, ce n'est pas la chemise rayée. D'accord? Donc, ce, c'est E, ce, cette, C-E-T, cette, C-E-T-E. En anglais, c'est... Ah. Bon, ce, cette, cette. En anglais, c'est S. Mathéo, il y a des élèves qui ont l'ordinateur et qui ouvrent la session avec le nom de quelqu'un de leur famille, comme toi. Donc, du coup, elle pourrait se poser la question, c'est qui Angélique Biston? Voilà. Et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans la même classe. Là, normalement, aujourd'hui, j'ai les 4-2, 4-5, 4-7. Voilà. J'ai aucun 4-7 qui écrit, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui sont connectés, ça c'est tout à fait possible, et qui ne peuvent pas écrire pour des raisons A, B ou C. Et donc là, j'ai parmi vous, là, en chat, j'ai des 4-5 et des 4-2. Donc, ce qui nous fait, allez, hop, on y va. Cette chemise rayée est trop large. Cette chemise rayée est trop large. Cette chemise rayée est trop large. Bon, alors, comme ça met un petit peu de temps, je vais vous donner la bonne réponse, même si Mathéo S, Mr. Bike Pro, même si Mr. Bike Pro l'avait bien écrit. Donc, this striped shirt, j'ai bien écrit, striped shirt, is too... Ah, voilà, ça arrive. Alors... donc oui, toi tu l'as déjà écrit. Mathéo de Poula. Alors, on inverse toujours. D'accord? Striped, rayé, à rayure. Rayé, c'est un adjectif. Donc il faut le mettre avant le nom. Donc il faut inverser. Very, ça veut dire très. Moi je veux pas très, je veux trop. C'est pas pareil. Alors, donc. Ce que j'ai dit aussi dans la copie. Alors, so, ça veut dire si. Il est si gentil. He's so nice. Ça veut dire tellement. C'était tellement intéressant. It was so interesting. Et ça veut dire aussi, aussi. Mais moi, je veux trop. Et trop, c'est too. Donc, ça nous fait « This striped shirt is too ». Alors, soit vous marquez « loose », vous pouvez marquer « large » ou vous pouvez marquer « wide ». Voilà. Ou vous pouvez marquer aussi « stripy ». Stripy shirt. Voilà. Mais trop, c'est too. Donc, vous avez le choix de too loose, trop large, too large, ben, trop large, et too wide, trop large aussi. Pour les vêtements, cependant, essayez de garder en mémoire que même si les trois là sont synonymes, ce qui colle le plus aux vêtements, ça serait loose. Voilà. Allez, number three. Number three, c'était le rouge foncé ne me va pas. Alors, le rouge foncé ne me va pas. Alors, il y avait plusieurs possibilités, effectivement. Donc là, j'en ai deux qui me vont bien. Voilà. Soit vous repreniez directement l'expression du livre, soit vous pouviez essayer de retrouver une autre expression. Alors, attention aux couleurs. Navy,
Navy, Jade, navy ne va qu'avec le bleu, parce que ça veut dire marine. On ne dit pas rouge marine, sinon ça ferait du blouge, du bleu et du rouge. Donc, navy red, c'est pas possible. Ça ferait une drôle de couleur. Donc, ce qui va, donc foncé, dark. Donc, vous m'avez mis quoi? Dark red, voilà, c'est ça. Dark red. Alors, pas d'article, parce que c'est le rouge foncé en général. Ce n'est pas le rouge foncé de cette robe-là, c'est le rouge foncé en général. Donc, dark red. Ensuite, c'est au singulier, on est d'accord. Et donc, j'accepte deux choses. Donc, dark red doesn't suit me. Donc, je suis d'accord. Ou alors, looks terrible on me. Je suis d'accord aussi. Donc, dark red doesn't suit me. Suit me, sorry. Donc, Matteo Celerian, perfect. Jade. Donc, tu regarderas aussi la correction que je t'ai mise sur ta boîte mail. Donc, dark red, pas navy red et pas d'article. Looks terrible on me, ça c'est très bien. Et Magali, pas d'article, dark red, it, pas de sujet en anglais. Pas de sujet en anglais. Tout comme on ne met pas de sujet en français non plus. Voilà, on ne met pas deux sujets en français non plus. On ne dit pas le rouge foncé, il ne me va pas. D'accord? Donc on ne met pas. Allez, number four. Number four, tout bêtement, qu'en pensez-vous? Allez. Qu'en pensez-vous? Tout bêtement, j'attends. Voilà, exactement. What do you think? Good. What do you think? Si j'avais précisé que pensez-vous de cette chemise, ça aurait été un petit peu différent. What do you think about this shirt? Mais là, what do you think? C'est parfait. OK, very good. What do you think? Je fais du 5. Je fais du 5. Alors, taille 5. En Angleterre, taille 5, ça fait quoi déjà? Attendez que je me rappelle. Parce que maintenant, il y a les équivalents. Oh, taille 5, ça doit être du 38, je crois. Alors, Mr. By Pro, pas du tout. Et Magali non plus. Alors, voilà, I'm, I am. Je fais du 5, I am size 5. I am size 5. C'est ça. Je fais la taille 5. I'm size 5. Pas I'm 5, sinon ça veut dire j'ai 5 ans. Bon. On comprendrait, si, au moment où vous achetez quelque chose, on comprendrait facilement que vous n'avez pas 5 ans, mais que vous faites la taille 5. Mais I'm size 5. Alors, my size is 5, Mathéo de Poulain, my size is 5, oui, on peut, mais c'est beaucoup plus simple, I'm size 5. Pas I do five, non. I do five, ça n'existe pas. OK. Voulez-vous essayer ce jean? Alors, il fallait faire attention à deux choses. Il fallait faire attention au pluriel. Attention de ne tomber pas dans les pièges du singulier en français et du pluriel en anglais. Moi, j'ai écrit jean à la française. En anglais, on aurait mis un S. Et qui dit S dit pluriel. Faites gaffe à ça. Faites très, très, très attention. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que essayer pour un vêtement, je vous l'ai dit bah hier, et puis peut-être la semaine d'avant, mais hier, oui, c'est sûr, ce n'est pas tout seul. D'accord? Donc, faites très, très, très attention à ça. Alors, on y va. Que m'avez-vous mis? Alors, Matteo Severian, on ne comprendrait, mais ça serait un peu du genre,
Mais alors, il y a deux choses. En anglais, on vous demande de faire passer le message. Et effectivement, Mathéo, c'est Lérian, puisque tu es le premier à répondre, donc c'est à toi que je parle en premier. Et comme vous êtes deux Mathéo aujourd'hui, je suis obligée de donner votre nom de famille, les gars, je suis désolée. Hein. Donc, oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que en anglais, on vous demande de faire passer le message. Peu importe la manière, il faut qu'elle reste, il faut que le message passe. Et effectivement, Mathéo, Mr. Bike, si tu ta phrase, Would you like to try jeans? On la comprend. Le seul problème, c'est que moi, je ne peux pas valider parce que parce que on la comprend, mais ce n'est pas de l'anglais correct. Et vous êtes quand même au collège pour apprendre un anglais correct. Alors, je me suis déjà fait taper sur les doigts par les inspecteurs parce que justement, j'étais trop pointilleuse. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Ils peuvent taper sur les doigts tant qu'ils veulent. Maintenant, j'ai des grands ongles, regardez. Donc, c'est pas grave, je veux un anglais correct. Et pour avoir un anglais correct, ta première partie de phrase, Mr. Bike, est très juste. Ça, il n'y a aucun souci. Le reste me gêne. Donc, après, Oriana. Alors, Oriana, donc, would you like, attention après les would you like, il y a toujours to. Parce que la phrase à l'envers, c'est I'd like to. Donc, would you like, alors, même chose, il manque des choses. Jade. Alors, attention à Jean, c'est du pluriel. Donc, le this doit se transformer au pluriel. Magali. Alors, Magali, ta phrase est tout à fait correcte, de A à Z. Elle diffère un tout petit peu. Moi, j'ai marqué, voulez-vous essayer ce jean? Et toi, tu as marqué, voulez-vous essayer le jean? Bon. Et ensuite, Mathéo de Poulain, presque. Et donc, le pluriel de this, c'est these. Donc, ce qui nous fait... Would you like to try? Allez, on y va. Donc, vous êtes presque. Would you like to try these jeans on? Would you like to try? Ça, c'est très bien. Alors, j'espère sur cette phrase-là, franchement, que vous l'avez fait sans traducteur, parce que... vous auriez pu être tenté de vouloir écrire do you want, ça veut dire voulez-vous, d'accord? Mais vous avez eu un excellent réflexe de marquer would you like, et ça c'est vraiment très bien. Je l'avais dit, c'était à Sereine hier, qu'il fallait lever votre niveau. Do you want, c'est correct, mais c'est du niveau 6e, 5e. Là, vous êtes en fin de 4e, hein, on est d'accord. Donc, vous ne pouvez plus dire do you want. C'est bon, on a compris. Voilà, maintenant vous changez de niveau, vous passez au niveau supérieur. Donc, would you like to try? Le pluriel de this, c'est these. This devient these au pluriel. Et pourquoi on met ça au pluriel? Parce que jean en anglais est au pluriel. Il y a deux jambes. Ne tombez pas dans le piège. Et on, parce que essayer un vêtement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est try on. Donc, Mathéo de Poulain, tu as fait avec ton livre et le dictionnaire. Eh ben, c'est bien, voilà. Donc, c'est très bien. Allez, on y va. Vous pensez à une couleur en particulier? Good morning, Louis. On en est à la phrase 7 de toutes les phrases qu'il fallait faire. Donc, vous pensez à une couleur en particulier. Ben là, c'était vraiment la phrase typique qui était dans le livre. Voilà, good. Donc, Jade, do you have a color in mind? Yes. Magali, what color do you have in mind? OK. Mr. Bike. Encore une fois, on te comprend. Prends les bonnes habitudes maintenant. Écris de l'anglais correct.
On comprend, il n'y a pas de souci. C'est comme nous, c'est comme si nous on disait en français. Si nous on disait quoi en français? T'aimes les fraises? N'importe quoi. T'aimes les fraises? Bah, t'aimes les fraises, c'est pas correct à la base. Normalement, c'est tu aimes les fraises ou est-ce que tu aimes les fraises? Aimes-tu les fraises? Voilà. T'aimes les fraises? Tout le monde comprend. Quoique non, parce que là, il n'y a même pas de faute de grammaire dans t'aimes les fraises. Bon, c'est si j'aurais le temps. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que, Mr. Break, il faut. J'accorde, je veux bien ta phrase, mais il me faut un auxiliaire. Do you think of a particular color? Do you think of a particular color? Cependant, les What color do you have in mind est beaucoup plus anglais. Et puis c'est d'un niveau aussi plus élevé, quoi. What color do you have in mind, c'est plus recherché. Attention, c'est pas d'un niveau, c'est pas plus recherché, c'est pas de l'anglais littéraire, mais c'est un anglais plus bon, ça montre que vous avez un autre niveau, quoi. Voilà. Alors, donc, même chose, Mathéo de Poulain. Donc, do you think of a special color? Est-ce que vous pensez à une couleur spéciale? Ok, d'accord. Cependant, je préfère largement le what color do you have in mind ou do you have a color in mind? Voilà. Donc, je vais en écrire une. What color do you have in mind? What color do you have in mind? C'est plus anglais. C'est plus anglais. Ah, petite difficulté pour la 8. J'aime bien les bleus. Alors, donc, il fallait se rappeler de la leçon sur. Les pronoms que l'on utilise pour éviter de répéter. Donc, j'aime bien les bleus. Alors, Emmanuel. Jade. Alors, Jade, presque. Magali, presque. Mr. Bike Press, Oriana presque. Bon, alors. Ah, t'as trop traduit mot à mot, Mathéo de Poulain. Alors, I like, pas de problème. Et les bleus, tout simplement. I like the blue ones. I like the blue ones. Voilà. Voilà, il y avait juste une histoire d'article qu'il fallait pas oublier. Alors, attention, attention. Donc là, il manque l'article pour Jade, il manque l'article pour Magali. Mr. Bike, attention, jamais. Et Oriana, jamais. De S aux couleurs. Ce sont des adjectifs. Autant les adjectifs s'accordent en genre et en nombre en français. Regardez comment j'ai écrit bleu en français. Donc c'est du féminin pluriel. Donc je pouvais parler que de chaussures, de jupes. Je pouvais certainement pas parler de pantalon puisque j'écris féminin pluriel. Donc autant en français c'est super compliqué, autant en anglais vous cassez pas la tête avec ça. Les adjectifs sont invariables. Donc déjà, ça, attention. En revanche, ça, c'est une grosse faute. Et donc, du coup, Mr. Barek, il te manque. Donc, tu me retires le S à blue et tu rajoutes ones. Et Oriana, attention, tu changes d'article parce que l'article E, c'est du singulier. Moi, je veux du pluriel. Et surtout, tu me retires aussi le S de l'adjectif bleu. Donc, I like the blue one. Mathéo de Poulain. Non, on ne dit pas ça. Well, je suis d'accord avec toi. Well, ça veut dire bien, du genre I'm well. I'm well. Je vais bien. Enfin, je suis bien. I'm well. Ou alors en début de phrase. Well,
Oh, it's grey today, the sky is grey today. Voilà, mais pas ça me va bien ou alors j'aime bien, c'est pas well. En quoi puis-je vous aider? Alors, en quoi puis-je vous aider en français, c'est synonyme de comment puis-je vous aider? Mais c'est vrai que dans un magasin, on ne dira pas vraiment, enfin moi j'ai jamais entendu comment puis-je vous aider, mais en quoi puis-je vous aider? Donc, il fallait commencer par un pronom interrogatif. Alors, Jade, ta phrase est correcte, can I help you? Mais ça veut dire est-ce que je peux vous aider? Je ne veux pas vraiment est-ce que je peux vous aider? Et en quoi puis-je vous aider? Même si ça veut dire à peu près la même chose. Sauf que une vendeuse qui te dit ça, en quoi puis-je vous aider, tu es obligé de répondre ah ben je cherche un pantalon. Donc tu rentres dans le jeu de la vendeuse. Alors que si une vendeuse te dit est-ce que je peux vous aider, ben non, merci. Et hop, on s'en va. Ou alors oui, je cherche un pantalon. Donc il faut faire voilà, c'est une petite technique de vente. Alors, en quoi puis-je vous aider? Donc, alors, can I help you? C'est très correct. Est-ce que je peux vous aider? Mais ça ne correspond pas à ma traduction. Après, vous m'avez mis quoi? Magali, what can I help you? What veut dire qu'est-ce que... Attention. Donc, non. Mr. Bike. Ah ben, toi, t'as mis l'inverse. En quoi est-ce que vous pouvez m'aider? Non. Le vendeur ne dit pas en quoi est-ce que vous pouvez m'aider. Donc, c'est bête parce que tu avais le bon pronom interrogatif. Et Mathéo de Poulain. Alors, tu es sur le bon chemin, mais il en manque encore un peu. Donc, alors ça va nous faire. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Ou on pourrait dire aussi how can I help? How can I help? Donc en quoi puis-je vous aider? Ou comment puis-je vous aider? Vous roulez en voiture, vous voyez quelqu'un qui est en panne, vous pouvez vous arrêter en disant how can I help? Comment est-ce que je peux vous aider? Voilà. How can I help you? Oui, bah elle est juste celle-là. T'avais oublié quoi? Tu marques mince, j'avais oublié. Ah, d'inverser. Peut-être. OK. Number 10. Je préfère les vêtements simples. Ah, t'avais oublié le I. Oui, exact. Je préfère les vêtements simples. Allez. Alors, I prefer me va bien. Classique, non. Il y a vraiment une expression pour simple, les vêtements simples. Tout bêtement, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Non, casual. Casual, c'est simple pour les vêtements. Casual. Donc, I prefer casual clothes. I prefer casual. Casual, c'est simple, tous les jours, les choses qu'on met tous les jours. This is casual clothes. Donc, I prefer casual. On comprendra « simple classic outfits », on comprend. Après, « classique », c'est pas forcément simple. « Classique », ça peut être un peu… comment dire « Classique », il ne faudrait pas que ça rentre dans le démodé.
Des vêtements classiques, c'est pas forcément des vêtements simples. Ça peut être un peu péjoratif avec démodé. Le terme qui convient vraiment, c'est casual. Casual clothes. Casual. Donc sans chichi, simple. Bah, simple quoi, sans chichi. Donc I prefer casual clothes. Ok. Tac, tac, tac. Ah, je le prends, le jean. Alors, avant de me copier, avant de m'envoyer ce que vous avez écrit sur votre ligne, essayez de vous rappeler que jean, il y a deux jambes. Voilà, pluriel. Et en fait, ça, c'est un. Quand vous voyez une fiche comme ça où c'est marqué name, date, essay in English, ça, vous l'auriez eu en contrôle, en classe. Ça, c'est évident. C'était une évaluation. Je vous l'aurais faite en classe. C'est pour ça que j'avais précisé, je le prends le jean et pas je le prends le pull. Si ça avait été je le prends le pull, il n'y avait pas de souci. Mais c'est bien pour vous mettre en tête qu'en anglais, tout ce qui est pantalon, slip, short, culotte, legging, machin, compagnie, c'est du pluriel. Donc, c'est pour ça, Mathéo de Poulain, qu'il me faut le pluriel de it, c'est-à-dire them. Et donc, la phrase correcte serait, est I'll take them. Au futur, eh oui, nous en français on dit bah, je le prends et les Anglais disent I'll take them. Alors, Mr. Bike, I take it from you. Bah oui, je le prends de. Oui, je vous le prends. Oui, d'accord, ok, tu as traduit comme ça. Je vous le prends. Ouais, c'est pas très très anglais. I take them. I take them. Ces baskets me vont bien. Allez, number 12. Ces baskets me vont bien. Alors, deux manières de dire basket. Et surtout pas, c'est surtout pas le mot basket. Hein. Basket, en anglais, c'est un faux ami. On croit que ça veut dire basket, mais ça ne veut pas dire basket. Basketball, c'est pas un panier qu'on met dans une. C'est pas une balle qu'on met dans une basket. Hein. C'est un ballon qu'on met dans un panier. Ces baskets me vont bien. Que m'avez-vous marqué? Mr. Bike, very good. Alors, Jade, pourquoi tu me mets un them? Alors, déjà, pourquoi tu me mets un them? Alors, them est un pronom complément. On ne le met jamais derrière le sujet. Voilà, donc ça, il faut que ça soit bien clair. Et ensuite, sneakers est au pluriel. Ton verbe est au singulier avec le S. Et better, c'est mieux. Moi, elles ne me vont pas mieux, elles me vont bien. Alors, Magali, good, et mais bien, voilà. Donc, these sneakers, allez, ça marche. These sneakers. Vous avez aussi comme mot trainers. Ah, these sneakers, trainers, fit me well. Alors, ces baskets me vont bien, donc ça veut dire qu'on est à l'aise dedans. Si vous aviez voulu dire, oh, ça fait chouette sur moi, these sneakers look good on me. Voilà, elles sont chouettes sur moi. Hein. Par contre, j'ai les pieds comme ça, mais elles sont chouettes. Bon, là, on voulait vraiment, je suis à l'aise dedans, quoi. Donc, these sneakers, ou alors, these trainers fit me well. Le 13, hors de question. Ça, c'était super facile parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Il y avait un exercice avec des traductions. Et je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, il y avait exactement la même traduction. Voilà. Good. Hors de question. No way.
No way. Ok. Même chose pour la 14. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Même chose, on l'avait vu aussi. No way. Yes. Jade, Mr. Break, Magali, Matteo, good. Yes. La même chose pour c'est beaucoup trop cher. Alors, Mr. Bike, c'est très correct. Tu m'as marqué, c'est très cher. Mais apprends à réutiliser du vocabulaire nouveau. C'est trop cher, n'importe qui peut le dire. Essayez de changer, d'améliorer votre vocabulaire, de trouver à chaque fois des synonymes ou des petites expressions idiomatiques pour montrer que vous avez du vocabulaire en plus. Donc, en fait, ce que je voulais, c'était « way too expensive ». « It's way too expensive ». Donc, les deux Matteo, vos phrases sont justes. « It's too expensive », ça veut dire « c'est trop cher ». Mais pour insister, comme là, c'est beaucoup trop cher. Donc, « it's way too expensive ». Avec le « it's » devant ou pas. Bon, ça, voilà, c'est selon que c'est du familier ou pas. « Way too expensive ». « It's way too expensive ». Après, on est d'accord. It's too expensive, c'est correct. Montrez que vous en savez plus et que vous avez plus de vocabulaire. Voilà, c'est ça. Montrez que vous savez des choses. Alors, ce jean slim est en solde. Ah, ben c'est parfait. T'es pas tombé dans le piège, Mr. Bike. Very good. Alors, very déjà. Very, Matteo, ça s'écrit comme ça. Et avant ou pas, non, parce que very, very too n'existe pas. Donc, soit tu dis it's very expensive, c'est très cher, mais moi, je ne veux pas c'est très cher, je veux c'est trop cher. Donc, it's too expensive. Et en plus, je veux c'est beaucoup trop cher. Donc, way too expensive. Expensive. On ne met pas de very là-dedans. Il n'y en a pas du tout. Alors, donc, on y va. Matteo, j'ai répondu à ta question. Non, very too, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Jade. Alors, tie jeans. Pas deux fois le sujet. Pas deux fois de sujet. Pourquoi vous mettez deux fois des sujets? Alors, tie jeans et après vous marquez it's. Donc, tie jeans, pluriel, it's, c'est singulier. Donc déjà, ça coince. Et vous vous embêtez pas la vie. Un seul sujet, comme en français, pareil. Hein. Donc, these slim jeans are on sale. Alors, these, parce que c'est le pluriel. Slim ou tight jeans. Voilà. Donc, these est le pluriel de this. Slim jeans ou tight jeans, comme vous voulez, are on sale. Et on met are parce que c'est du pluriel. Même si en français, c'est écrit jean au singulier. These slim jeans, tie jeans are on sale. Alors, quelle est la question? Quelle est la phrase qui vous a posé le... Quelles sont les phrases qui vous ont posé le plus de difficultés? Les deux phrases les plus difficiles pour vous ont été lesquelles? Dites-moi. Dites-moi. Alors, moi, je pense que pour vous, je pense que vous avez dû galérer un peu pour la 6. Je pense que vous avez dû galérer pour la 6.
Et je pense que vous avez dû aussi un peu pour la 12. La dernière, Magali? Ah, d'accord. OK. Qu'est-ce que tu m'as mis, toi? Magali, des slim jeans, it's on sale. Oh, ben écoute, ça, c'est pas non plus une grosse, grosse galère, hein. Tu as juste mis deux sujets. Bon, faut pas exagérer non plus. Voilà, c'est pas non plus. Une grosse la dernière plus aussi, oui. Après, il n'y avait rien de compliqué, c'est juste à vous rappeler que pour les vêtements, surtout faites attention aux deux jambes, surtout, surtout. Et à partir de ce moment-là, voilà, donc le this se transforme en these, singulier this, pluriel these, et le that se transforme en those. This, this, that, this hand, that hand. This, c'est vraiment proche, that, c'est loin. Donc, pluriel, bon, ça va être un peu compliqué, pluriel de this, c'est these, et pluriel de that, c'est those. À chaque fois, c'est des erreurs de sujet. Ouais. La 12, moi, la 12, oui, je voyais la 15, n'importe quoi. Vous me dites la 12 et je regarde la 15, je suis bête. Ces baskets me vont bien. Oh, bah alors, la 12, c'est. Oui, bah oui, avec Fit Me Well, là, et compagnie. Oui. Bon, après, en gros, c'était quand même pas très, 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 très compliqué. Voilà. OK. Alors, je vous explique. Alors, on a terminé les vêtements. On a terminé la séquence sur les vêtements. Vous êtes le vendeur, vous êtes l'acheteur. Vous devriez normalement être capable, à la fin de tous ces cours qu'on a vus dessus, être capable de rentrer dans un magasin et de demander quelque chose, un vêtement, de manière précise. Voilà, vous devriez être capable de faire ça. Alors, bien évidemment, en classe, on aurait eu un jeu de rôle. Vous auriez eu des écoutes avec les CD classe que je n'ai pas. Ils sont sur mon ordi du collège et on n'a plus le droit d'aller dans les salles à cause de la désinfection. Alors, donc, pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, alors j'ai mis les devoirs en ligne déjà, si vous voulez vous avancer. Y aura deux choses à faire. Expression écrite et compréhension écrite. Donc, à me renvoyer, soit sur ma boîte mail, soit sur Pronote. Alors, je vous explique déjà l'expression écrite. L'expression écrite, donc, pour la semaine prochaine, c'est pour... on la corrigera. Ben, non, je ne peux pas corriger votre expression écrite. Ben vous me l'envoyez pour mercredi prochain, dernier délai. Voilà, comme ça, vous pouvez me l'envoyer avant, hein. Il n'y a pas de souci. Mais envoyez-la moi pour mercredi prochain, dernier délai. Comme ça, je pourrai corriger pendant le long week-end. Alors, l'expression écrite, minimum 10 lignes, maximum 15 lignes. D'accord? Minimum 10 lignes. Donc, je vais compter les lignes, forcément. En dessous de 10 lignes, vous ne respectez pas la consigne, ça sera rouge. En dessous de 10 lignes, vous ne respectez pas la consigne, ça sera rouge. On est d'accord. Et donc, c'est What's your favorite outfit? Quel est votre vêtement préféré? Pourquoi est-ce que c'est votre vêtement préféré? Et quand est-ce que vous le portez? Alors, vous avez le droit d'inventer si vous n'avez pas de vêtement préféré. Ou alors, ça peut être deux vêtements. Par exemple, j'adore porter... un jean avec des baskets. Parce que je me sens bien, parce que c'est pratique quand il pleut, parce que je peux courir vite, etc. Cependant, c'est pas toujours. Cependant, en été, il fait un peu chaud, donc ça peut être un inconvénient. Voyez? Donc, vous me faites un petit paragraphe. J'ai marqué essayez de faire un paragraphe et pas j'aime bien ça, point.
j'adore la couleur, point, j'adore la matière, point, et à la ligne. Ne me faites pas des lignes comme ça. Essayez de faire un petit paragraphe avec des mots de liaison. Parce que, c'est pourquoi, cependant, d'accord ? Essayez de rédiger comme vous feriez en français. Mais ce que je ne veux pas, c'est que d'abord vous l'écriviez en français. Ce que vous faites, c'est que vous notez déjà le vêtement ou les vêtements, ça peut être deux choses, hein, que vous aimez bien porter. À côté, vous mettez, donc en anglais, vous mettez pourquoi, donc vous pouvez rechercher des mots dans le dictionnaire, pourquoi, alors, pourquoi confortable, ça me va bien, voilà, mais ça, confortable, ça me va bien, ça, vous pouvez trouver ça, parce que c'est simple, il n'y a pas de, voilà, ça, vous pouvez trouver, c'est dans votre cahier, dans votre livre, d'accord, et ce vocabulaire-là. Quand est-ce que vous le portez ? Donc, vous pouvez mettre école, maison, tout le temps, gymnase, pour me promener. Et ensuite, vous faites vos phrases en anglais. Une fois que vous avez fait vos catégories de mots en anglais, faites vos phrases en anglais. Essayez de faire comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On ne fait pas d'abord en français et après, on ne traduit pas les phrases. Parce qu'à un moment donné, alors, vous allez être tenté de le faire. Je sais, moi aussi, j'ai fait pareil quand j'avais votre âge. Mais bon, c'est mieux... Essayez de faire comme je viens de vous le conseiller. Et surtout pas de traducteur, parce que déjà, je vais voir tout de suite. Et puis, si vous faites une faute en français, le traducteur ne va pas réfléchir, il va traduire la faute. Et alors là, du coup, ça peut être très drôle, mais bon, ce n'est pas le but du jeu, ce n'est pas que ça soit drôle. Donc, cette expression écrite, vous pouvez inventer. S'il n'y a pas donc de choses en particulier que vous aimez beaucoup porter, que vous portez plus que d'autres, bah, inventer, je ne vais pas aller vérifier ni appeler vos parents pour dire « Bon, alors c'est vrai que votre enfant, il préfère les jeans bleus parce que les rouges, il pense que je ne sais pas quoi. » D'accord ? Donc, bon. Donc, ça, c'est l'expression écrite. Ensuite, il va y avoir une compréhension écrite. Même chose, c'est déjà en ligne pour mercredi prochain. Donc, vous rendez soit par mail, soit par pronote. Vous avez un texte en anglais. Et vous avez des questions en anglais. Jusque-là, rien de compliqué. Le texte se rapporte, les questions se rapportant au texte. Vous répondez en français. Donc, vous me faites des phrases en français. D'accord ? Attention à l'orthographe en français. Parce que là, je ne vais pas... Attention, hein. Il faut aussi savoir écrire en français correct. Donc voilà. Alors, donc, madame, est-ce que si on prend une robe, on doit écrire she, vu qu'elle me va bien ? Ah non. Non, les vêtements, c'est it et pas she. Les vêtements, c'est it. Ou them, si c'est au pluriel. Attention, si votre vêtement préféré est un jean, un short, un caleçon, une culotte, une paire de chaussettes, c'est them. Il y a deux. D'accord ? Surtout pour les chaussettes. Et puis pour le reste aussi. Donc, attention au pluriel. OK ? Voilà. Et le reste, donc, c'est singulier. Donc, deux choses à faire pour mercredi prochain. Alors, je n'ai pas hésité, puisque maintenant, il n'y a plus les cours du mardi, vu que je suis au collège. Donc, on passe au mercredi. Voilà. Donc, le mercredi, ça sera mercredi. Oui, non, j'ai dit que vous regarderez sur Pronote. Parce que j'ai dit que si c'est un de mes élèves, ben, ça limitera l'enquiquineur qui n'est pas venu ce matin. Yes, ben, c'était trop tôt pour enquiquiner les gens à 9h du matin, donc c'est parfait. L'enquiquineur, c'est vraiment gentil quand je dis ça, hein, parce que je ne pense pas du tout à ce mot-là. Vous devez bien vous en douter, mais je n'ai pas le droit de vous dire lequel. Donc voilà, je mets ça sur Pronote. Donc c'est fait, c'est déjà sur Pronote. Par contre, sur Pronote, je vous rajouterai un mot dans le global. Je mets un mot pour toutes mes quatrièmes, donc je cliquerai dans conversation. Voilà, c'est ça. Conversation, tout le monde. Donc, à partir de la semaine prochaine, les lives auront lieu le mercredi, telle heure. Le jeudi, ça ne change pas. D'accord ? Le jeudi, il n'y a rien qui change. C'est juste le mercredi maintenant. Voilà. OK. Thank you very much. Thank you. You've been brave because 9:00 is early. So you have been really, really brave.
And thank you for coming. Have a good, so today, Thursday, have a good afternoon, have a good Friday, good Saturday, Sunday, have a good weekend. Bye-bye. And remember, wash your hands. 30 seconds. Sneeze or cough in your elbow. Keep your social distance. Wear a mask if you go out. Be good and take care. Bye-bye. Have a good day too. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.